Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. J'ai besoin d'entrer dans cet immeuble pour avoir certaines informations. Désolé, c'est interdit, monsieur. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est mon pouvoir suggestif qui te parle. Et enchanté. Tu vas prendre cette bombe et aller la placer dans l'avion qui part pour New York. Et d'accord. Et tu vas prendre ce revolver et tirer sur le type qui est là-bas, et ensuite le jeter dans le fleuve. Jeter dans le fleuve, oui, ensuite? Ensuite, tiens, tu prends le cactus qui est là et tu te le fous dans le derrière. Très bien, il y a autre chose? Non, ce sera tout, je vais prendre l'addition. Tout de suite, messieurs. Il y a du nouveau. Encore. Un gardien d'édifice a tiré sur un cactus, il a lancé une bombe dans le fleuve et on l'a trouvé à l'aéroport en train d'essayer de se foutre un avion dans le derrière. C'est un coup de Craners. Bon, il va remettre ça. Il a un pouvoir de suggestion extraordinaire. On a localisé son frère. Et qu'est-ce qu'il fait son frère? Il vend des disques chez Virgin. Et comment il est? En tout cas, il n'a pas le même pouvoir de suggestion. Je voulais m'acheter un disque et il m'a suggéré c'est Jérôme. En effet. On a retrouvé cette plaque de granit sur place. Ah tiens. Approchez-vous. Oui. Approchez-vous de la plaque. Oui, ben, oui. Plus près. Oui. Plus près. Oui. Pas plus près là. Vous avez vu ce fossile? Ah oui, c'est un fossile. Et qu'en pensez-vous? Il est joli. Vous êtes un expert en la matière. Vous devriez trouver quelque chose à dire sur ce fossile. Et à dire sur ce fossile. Eh bien, un fossile à dire. On a un témoin. Un témoin. Bonjour. Vous avez vu quelque chose? J'étais en train de déjeuner et... Oui. J'ai vu l'atterrissage d'une petite soucoupe. Une petite soucoupe. Une petite soucoupe, oui. Et j'ai arrêté de manger. Ah bon? Parce que je te jure que quand tu vois les créatures dedans la petite soucoupe, c'est coupe la petite. Probablement les créatures qui influencent Craners. Il faut entrer en contact avec ces extraterrestres. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'ils vont nous téléphoner? Allô? Salut, espèce de FBI de mes deux tentacules. Mettez sur table d'écoute. Dis donc, espèce de créature, où est-ce que t'habites? Ma bite est à la même place que la tienne, espèce de flic de mes trois fesses. Dis-nous ce que tu veux. Je veux seulement te dire qu'il y a des gens de ton département qui vont disparaître. Merde. Fuchs, y a-t-il? John Cribbett est porté disparu. Il disait vrai. Patron. Qu'est-ce qu'il fait? George Pickenary est porté disparu. Hé, les mecs. Quoi? Susan Ted Little est porté disparu. Eh ben quoi, les musiciens, vous ne lisez plus vos feuilles? Impossible, la portée est disparue!